Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche, donc ça veut dire qu'on va continuer à tenter notre chance avec Rancher. Alors les épisodes précédents n'ont pas forcément été couronnés de succès, mais l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de s'en sortir un peu mieux. Alors, hop, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end si vous regardez ça, pour celles et ceux qui regardent ça en direct. Donc globalement, c'est une suite de vidéos sur lesquelles j'essaye de mettre en place un orchestrateur de conteneurs qui s'appelle Rancher, qui fonctionne avec une interface web. Alors, démarrer Rancher en lui-même, ça va, c'est possible. La difficulté de dimanche dernier, ça a été le passage, comment dire, l'installation des nœuds pour faire tourner des conteneurs. Avec normalement bah, un maître du cluster et ce genre de choses. Alors, je vais aller récupérer la petite doc qui va bien, puisque je suis... Salut à toi! Salut à toi Manon! J'espère que tu vas bien. On a récupéré le chat, et ça c'est classe. Si... Je crois pas que... Si t'étais là jeudi, Manon? Mais je crois que c'est jeudi où le chat était HS. Malheureusement. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, t'étais pas là. Bon, bah, t'as loupé le chat HS. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait de ce document? Fichtre alors. Oh, mais t'as le droit de partir en vacances, t'inquiète, hein. Profite de tes vacances, justement. Project stream. Ouais, il est là, hop là. Ah, t'es pas en vacances? Ah oui, c'est les gens qui partent en vacances et qui du coup streament plus et du coup tout ça, ça change. C'est ça? Ouais, la période. Oui, bah oui, la période juin, juillet, août, ouais. Hop, allez. D'ailleurs, hein, vu que c'est encore l'été, pensez à vous hydrater. Salut à toi, hop, The Tourist. Le calendrier des streams est light, ouais. Salut Rancune. Bon, j'espère que vous avez pas trop chaud, hein. La deuxième vague de chaleur commence dès demain, si j'ai bien compris. Tu découvres des nouveaux streamers comme Rancune, ouais. Rancune, lui, de ce que j'ai l'impression, vu le nombre qu'il y a à ses streams, il a pas l'effet vacances. Ou en tout cas, si c'est l'effet vacances, en septembre, ça va faire bizarre. Où est-ce que j'en étais, moi? Ouais, je... hop là. En gros... L'idée, c'est donc d'essayer de faire tourner... Tu vois pas beaucoup les pseudos des gens dans le chat. Ouais, bah, j'ai essayé de grossir le texte. Malheureusement, ça squeeze un peu les pseudos. Je sais pas trop... Je sais pas trop comment est-ce qu'on peut faire. Tiens, je vais faire un petit test en live. Si jamais je vous change le style et que je mets ça, qu'est-ce que ça... Est-ce que ça change? Hop, save settings. Hop. On a perdu le chat. Si je, si quelqu'un parle, normalement, ça devrait le faire revenir. Voilà. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ce sera peut-être mieux. Hop. Allez. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Ah bah si, c'est classe. Allez, adjugé, vendu. Petit ajustement en direct, voilà. Bon. Alors, ensuite. L'idée, c'était de continuer sur ma... comment dire, sur le projet d'avoir un cluster Kubernetes avec Rancher. Voilà, c'est ça l'idée.
Ça a été jusqu'à présent quand même assez laborieux. Je m'attends à ce que ça le soit encore aujourd'hui, mais étant donné que dimanche dernier, il y avait encore eu des allez, courage, ce genre de choses-là, des encouragements, et ben je me suis dit je vais continuer. J'avoue que j'étais tenté de vouloir faire une petite coupure, et je me suis dit oh j'ai quand même eu des encouragements. Alors je vais pas laisser tomber les gens qui viennent chaque dimanche me regarder. Me battre avec Kubernetes et je vais continuer. Donc dans cet esprit, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un ensemble de machines avec une machine. N'essaye pas, fais-le. On croise les doigts. C'est l'objectif en tout cas, c'est de le faire, c'est d'y arriver. Tout ne fonctionne pas toujours du premier coup, hein, on a l'habitude sur ce stream. Donc on ne perd pas courage, on ne perd pas espoir et puis on avance. Donc l'idée c'est d'avoir un ensemble de machines qu'on pourrait désigner un cluster avec normalement une machine qui va faire cluster rancher. Je crois qu'il y a trois machines qui vont faire nœud Kubernetes et une machine supplémentaire qui sera le maître du cluster, si je me rappelle bien. Donc en gros, Rancher va gérer tout le cluster, y compris le maître et les trois nœuds qui sont des nœuds type compute, pour pouvoir justement balancer nos conteneurs sur ces trois nœuds. Donc ça, c'est l'idée. Une fois qu'on a cette idée-là, en gros, il y a un des habitués du stream qui est Azram, qui lui est en mode oh vas-y ça a l'air super cool, je vais essayer de le faire aussi de mon côté. Et puis salut à toi pendant le slag, pas trop chaud? Bah écoute, pour le moment c'est supportable. C'est supportable, et puis de toute façon, du côté du Home Lab, bah, toujours en baissant la fréquence à 2 GHz au lieu de 2,9 GHz, j'ai les CPU qui sont dans les 50 degrés et le chipset qui est dans les 48. Alors, oui, j'ai laissé le ventilateur allumé. Vous l'entendez? Vous voulez que je le coupe? Vous le dites, hein, s'ils sont au micro et posent problème, tu vois le tissu qui bouge au vent. Ah, oui, d'accord, le rideau. Bon, si vous entendez pas le ventilateur, tant mieux. Moi, ça me va. Ça me va parce que je vous avoue que c'est quand même bien agréable. L'observation visuelle, ok. Ouais, c'est ça, The Bidouilleur. Nouvelle tentative de rancher. Vu que vous avez l'air très encourageant. Non, mais on veut bien que tu partages le frais du. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, je sais pas si ça va vous donner l'impression, mais si je fais. Si je fais GIF fan spinning. Hop là. Fan spinning GIF. Allez, hop, on va rigoler. Est-ce que. Hop. Voilà. Et si je fais ça, hop, est-ce que ça vous aide? Voilà, le premier stream rafraîchissant sur le Twitch francophone. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Donc si à un moment vous avez trop chaud, vous le dites. Vous le dites et puis bah je remettrai le ventilateur. Voilà. Seuls les abonnés et les fans peuvent en bénéficier. Magnifique Manon, magnifique Manon. Ah, tu nous as vraiment manqué Manon jeudi parce que j'ai essayé de faire des jeux de mots à ta place et c'était pas ouf. Le plus beau, il bouge en rythme avec le. pas mal Rancune, j'aime beaucoup. Alors, qui c'est qui avait dit. Ah oui, salut Haribo. Hello, tiens, le chat est revenu. Oui, le chat est revenu. Je pense qu'en gros, c'était juste. Juste un petit souci de la part de Streamlabs. Le truc est revenu et avec un petit ajustement au moment du début de live où on s'est dit tiens, je vais changer un peu le style du chat, comme ça au moins on peut voir les pseudos des gens en entier. Et The Bidouilleur qui nous rajoute bientôt les ventilos connectés à Twitch pour avoir de l'air frais à chaque abonnement. Ah, ce serait classe.
Ce serait classe. Et franchement, si je pouvais vous... si je pouvais vous faire un peu de fraîcheur à chaque sub, moi je dis pas non, hein. Déjà, j'envisageais, je vais vous faire une confidence, j'envisageais de mettre en place à une époque un... mince, comment on appelle ça? Un tilde. Je sais pas si vous avez, vous savez ce que c'est un tilde. En dehors de juste du, comment dire, du caractère tilde sur le clavier. Mais en gros, il y a des gens qui mettent en place ce genre de choses où en gros, ils offrent un accès SSH et avec potentiellement un espace web d'hébergement statique. Et je m'étais demandé à un moment si ça serait pas une idée que je lance un tilde sur la chaîne Twitch et que j'offre genre un espace temporaire comme ça pendant un mois à chaque sub. Je me suis dit, ce serait un peu maquiller de l'hébergement pour récupérer des subs. C'est peut-être un peu, comment dire, ça fait limite, comment dire, corruption peut-être, non? C'est, tu me files un sub, je t'offre un truc en échange, c'est un peu, je sais pas, sur un... J'y ai réfléchi un peu, je me suis dit, c'est peut-être un peu malaise, quoi. Après, faire des streams où je mets en place un tilde, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Genre, je récupère un VPS pour pas trop cher. Et je propose un hébergement. C'est limite... De... J'aime beaucoup m'annoncer. C'est limite du proxy netisme. Et Rancune qui dit, pas sûr que ça passe avec les CGV de Twitch, gaffe. Bah oui, alors j'ai pas lu complètement les CGV, je les ai pas relus dernièrement, mais effectivement il est probable que des contreparties, ouais. Et Maïdoum, bah salut à toi MaïdoumFR, il y en a qui vont vite s'amuser à pentest le VPS. Alors effectivement, mais après sur un VPS où t'auras juste de l'hébergement statique et un SSH à peu près blindé, c'est vrai que dans le... Ah si... Si jamais je laisse des mots de passe, si les gens mettent des mots de passe facilement devinables sur leur accès, ouais. Effectivement, il y a peut-être moyen qu'on finisse avec un Mirai sur le VPS. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Ou alors je force les gens à avoir une clé SSH. alors... MaïdoumFR, ouais, pour le contenu interdit, je suis déjà, entre guillemets, hébergeur, puisque sur le serveur qui héberge mon blog, alors tu me diras, j'héberge que des gens, ou presque, que je connais, donc si jamais il devait y avoir un souci, je passe un coup de fil vite fait. J'avais déjà eu un cas de figure comme ça, où une connaissance s'était fait poncer son CMS. Et je lui ai dit, bah faut que tu fasses le ménage et que tu mettes à jour. Et la personne n'a fait que mettre à jour, donc le CMS était toujours, comment dire, compromis. Donc à un moment, je lui ai dit, non, faut vraiment que tu effaces tout et que tu recommences. Donc ça a été un peu difficile. Surtout qu'en plus, le serveur qui héberge mon site, bah forcément, pour envoyer des mails, il passe par mon serveur mail custom. Et du coup, mon serveur mail s'était retrouvé blacklisté parce que les gens qui avaient compromis le CMS, eh ben, ils s'étaient mis à envoyer du spam à la terre entière. Merci beaucoup pour le follow, MaïdoumFR. Merci à toi. Tiens, par contre, les petites alertes sont pas revenues. Merci pour l'air frais du follow. Je t'en prie. Alors, donc à la base, je voulais monter un cluster K3S avec Rancher. Sauf que le truc qui est relou quand on se dit ça marche pas, j'arrive pas à trouver, je vais tout casser et repartir sur des bases saines. Je pourrais dire tout brûler et repartir sur des bases saines, mais là aussi je sais pas si tout le monde aura la ref. Toujours est-il que
Il y a un certain nombre de commandes à lancer pour pouvoir avoir les machines prêtes à être utilisables. Et du coup, ce que j'ai fait hier, j'ai rajouté une petite feature à mon projet sur GitHub qui s'appelle ManyNodes et qui permet comme ça de mettre en place facilement un ensemble de machines virtuelles. Ah ouais, rancune à la ref. Hop, que je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, le projet en question. Tac, qui est ici. Hop. Et donc ce projet-là, en fait, il permet, si jamais vous avez... vous avez un hyperviseur local ou distance ou sous KVM libvirt et que vous installez Terraform, vous pouvez avec en copiant le tfvars.example et en lançant un Terraform apply, vous avez un certain nombre de machines virtuelles identiques prêtes à l'emploi dans un sous-réseau dédié. Maïdou Mafer qui aurait presque dit OVH. Effectivement, la ref OVH, elle se tient. Elle se tient maintenant. Rancune à la ref que je vais vous montrer. Ouais, non, mais il fait déjà assez chaud par ici. Je vais pas vous rajouter du feu. Ah là là. Donc toujours est-il que c'est plutôt pratique. D'ailleurs, je suis en train de me dire, il faudra peut-être que je rajoute à l'occasion un petit gif animé où je montre le Terraform Apply et le fait que ça pop des VM. Ça pourrait être marrant. Et donc j'ai rajouté une petite feature qui est le fait de rajouter une liste de commandes qui seront lancées au premier démarrage des machines virtuelles. Hop, qu'on peut voir là. Alors il y a un petit 6CTL-P parce que je déploie un fichier pour la swappiness, histoire d'être tranquille, parce que j'aime bien ce settings. Et donc, ce que je me disais, c'est que on allait rajouter un certain nombre de trucs. Hop. Et qu'en gros, j'allais rajouter les petites commandes que je tape à chaque fois sur ce projet-là. Et donc, les petites commandes qui passent... Alors, ce que je vais peut-être même faire, parce que dans mon truc, j'ai les packages aussi. Donc, si j'ai juste besoin d'installer des packages, je vais aussi en profiter. Hop. On va rajouter. Hop. Et c'est dnf-plugins-core, le package. Hop. Ensuite, ici, on ajoute un repo. Okay, le repo de Docker, hop là, voilà, petite virgule. Alors du coup je lancerai le DNF ici et je ferai pas un ajout dans les packages. Hop, et puis on va faire un petit sudo systemctl enable et on va faire -- no, comme ça au moins on économise une commande. Voilà. Remarque, moi, je peux le laisser comme ça. Je peux peut-être faire virgule. Je pense que ça devrait passer. Donc, normalement, si je fais ça bien comme il faut, déjà, il y a ça qui va passer. Mais il y a aussi un autre truc dans nos VM. C'est que pour pouvoir faire tourner, je crois, Rancher ou Docker, faut rajouter un petit truc custom. Et ce petit truc custom, c'est une config au niveau des cgroups. Et ça vient se mettre dans la conf du chargeur de démarrage. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le sudo. D'ailleurs, je mets un sudo, mais en fait, les commandes étant lancées en tant que root, on va s'économiser quelques caractères. Hop, voilà. Et donc, ici, entre les deux, en fait, on va rajouter un bon gros sed -i -e. Pom, et ça va être S, hop, et ça va être slash etc slash default slash grub. Et donc, en gros, l'idée ici, ça va être de remplacer un truc par un autre. Ce que je peux faire, c'est me revenir sur Marvin. Il est où Marvin? Hop, il est là.
Et donc a priori, ah ouais mais là il a un, ok, il a des confs un peu custom. Il a des confs un peu custom. Est-ce que j'aurais pas quelque part en local ici, j'aurais pas un node? Si, j'ai un node 0. Allez, run. Comment ça, il arrive pas? Ah bah oui, le network main node n'est pas démarré. Hop là. Alors, virtual networks. Hop, tu démarres. Et ensuite, toi, tu démarres aussi. On va aller regarder à quoi ressemble son grub. Et puis, on va aller faire un bon vieux set bien, bien à l'arrache. Alors je pourrais même être encore plus bourrin et genre carrément rajouter ça dans un truc qui est accessible sur internet, genre le repo git. Il serait pas en console serial 1. Hop, il est là. Ah, il en veut pas. Je lui ai mis quoi comme... C'est dingue, ça. Bah, écoute, on va le Non, par outil. Route. Fichtre. Fichtre, fichtre, fichtre. Non, c'est pas ça non plus. Alors... Bon, dans ce cas-là, on va pas s'embêter non plus pendant 3 plombes. On va faire un petit force off ici. On va faire lui à ce niveau-là. De toute façon, on va couper many nodes. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relancer many nodes du coup. Sauf qu'il va aller se connecter sur Marvin. Et pour éviter qu'il fasse plein de trucs, pour le moment, on va juste dire un nœud, juste pour vérifier. Et une fois que ça c'est fait, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un terraform init. Juste par acquis de conscience, un validate. Ok, et on va faire... Hop. Il faut que je remonte ça en fait. C'est limite. Hop, ici... Ce que je peux vous faire dans ce cas-là, c'est un terraform plan. Hop. Error. Ah bah je savais bien qu'il y avait une erreur. Ah bah oui, j'ai oublié une virgule. Hop, voilà. Et on applique et on aura un premier nœud qui s'appellera node 0. Hop là. Je crois pas que j'ai détruit le... Ouais, c'est ça. Il existe déjà. Hop là. Il existe déjà. Allez. J'ai oublié de faire le nettoyage correctement la dernière fois. Et many nodes, il existe. Et on va le détruire. Voilà. Alors, un truc... Tiens, il faudra que je vérifie ça. Hop là. Ici... En toute logique. Ah non, j'ai le subnet qui est configurable, mais pas le nom du réseau. Je pense que ça pourrait être une feature que je rajouterais. Configurer le... Bah pourquoi il me dit node 0? Ah bah oui. Bon, on va le détruire, c'est pas un problème. Alors déjà, tu me fais un petit... hop, tu reviens ici. Node 0, node 0. Je lui ai oublié de le détruire proprement. Voilà. Allez, c'est repas. Oui, bah oui. Allez. Ça va, la musique est pas trop forte? Ou est-ce que vous entendez au moins la musique? Moi, par contre, je commence à entendre le ventilateur du home lab. La musique est nickel. Ok, super. Ok, donc là, hop, si je fais un petit SSH-J Marvin, hop,
Ok, et si je fais 4 etc default grub, donc a priori il se termine en console hop, comme ça. Donc ce que je vais vouloir faire en fait, c'est à ce niveau là. Ah, et du coup, il a lancé quand même la commande, mais il a pas dû la... Hop. Et on veut faire ça, espace, et on veut rajouter plein de trucs. Hop. On veut rajouter... Ça. Voilà. Alors, en gros, qu'est-ce que ça fait tout ça ? Donc l'idée c'est de lancer des commandes. Tiens d'ailleurs je vais vérifier s'il a bien lancé tout. Donc normalement il doit avoir Docker CE qui est installé. Package Docker. Peut-être que le Cloud Init est pas fini. C'est ça, le Docker Init est pas fini. Enfin le Cloud Init par exemple. Pardon. Oula. Je commence à mélanger Docker et Cloud Init. Moi, c'est les yeux qui se croisent ce soir. Je vous promets, il n'y a que de l'eau dedans. Hein. Je stream sobre, moi. Hop. Bon, a priori, étant donné que tout ça... On va le refaire après. oui, Rockwin, je sais, je balance toujours cette petite phrase peut-être un peu piquante. Hein. On sait à qui je fais référence, mais je l'adore. Voilà, c'est ça, pof, il a balancé qu'il n'avait pas une bonne expression régulière. Hop, your node is now ready. Alors, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est qu'ensuite je balance un reboot, en fait. Mais je rebooterai les nodes à la main une fois qu'ils ont popé. Allez. Du coup, ici, je peux faire un Terraform Destroy. Voilà. Est-ce que je vais faire c'est alors ce que je peux faire maintenant, c'est du coup rééditer mon fichier de conf et on avait dit qu'il nous fallait 5 nœuds. Donc je vais repartir The Bidouilleur, au lieu de Cloud Init, pourquoi ne pas faire ces commandes en SSH via Terraform, comme ça il te redonne la main quand elles sont terminées. Alors je crois qu'il existe un... Comment dire, mince, j'ai mangé le nom. Je crois qu'il y a un provider local qui permet effectivement de lancer des commandes en local comme ça. J'ai pas eu énormément de réussite avec, enfin ça a vaguement fonctionné sur certains trucs mais pas partout, c'était un peu je sais pas, j'ai pas été très très convaincu par la feature, d'autant que Terraform, chez Terraform ils mettent un gros warning en disant attention, c'est pas idem potent, use at your own risk, voilà. Donc je lance le run CMD via Cloud Init, mais de toute façon, il y a plein d'autres choses qui sont faites via Cloud Init, notamment bah, l'installation de tous les packages, ainsi que bah, la création de l'utilisateur, la mise en place de son mot de passe. Ce que je pourrais faire en revanche, mais ce serait dans ce cas-là uniquement compatible avec Fedora. Or, j'essaye d'être un minimum générique sur ManyNodes.
Ce que je pourrais faire, c'est au lieu d'utiliser Cloud Init, je pourrais essayer d'utiliser Ignition. Mais je ne sais même pas si Fedora Cloud utilise Ignition. Je sais que CoreOS l'utilise, mais je ne suis pas sûr que Fedora Cloud utilise Ignition. Je crois qu'ils ont installé juste Cloud Init. Voili voilou pour les explications sur pourquoi j'utilise Cloud Init. Donc, j'ai 5 machines virtuelles qui auront chacune 4 vCPU, 8 Go de RAM, qui vont être dans un sous-réseau qui s'appelle Mininodes et qui donc est en 10.42.42.0/24, donc est un réseau NAT. J'utilise donc une image de boot de chez Fedora. Le disque de base va avoir 32 gigs, je crois une trentaine. On va mettre 50 gigas sur un disque secondaire. Ça, c'est le storage pool. Bon, bah, c'est le storage pool par défaut de mon home lab. Et The Bidouilleur qui comprend mon choix. C'est gentil, merci. J'aime pas du tout Cloud Init. Je fais tout par Packer en alternative. Ah, ok. Oui, effectivement, Packer, c'est... alors, disons que... Alors, j'ai envie de dire Packer. Packer, est-ce que je pourrais l'utiliser ici à la place? J'aurais pu l'utiliser pour créer justement l'image. Parce que là, j'utilise juste l'image officielle de Fedora pour... comment dire, qui contient déjà Cloud Init en fait. J'avais déjà fait alors, j'avais fait quelques streams il y a un petit moment où justement j'avais fait des images custom. Parce que en fait, typiquement, l'image Fedora Cloud de base, genre le firewall a été enlevé pour gagner de la place. Et aussi pour faciliter sans doute la mise en place de service réseau. Après bon, SE Linux est actif, enforcing comme d'habitude. Mais de ce côté-là, voilà, il y a des choix comme ça dans Fedora, comme celui de choix de BetterFS par défaut, qui moi perso m'emballe pas plus que ça, je vous avoue. Après, j'ai pas de grief en particulier contre BetterFS. C'est plus une question de changement d'habitude. Mais pour vous donner un ordre d'idée, à chaque fois que je déploie de la Fedora maintenant, c'est LVM plus XFS. Sauf peut-être le PC de stream qui est resté en EXT4. Parce que je fais des upgrades depuis un paquet d'années en fait. Tiens d'ailleurs, je vais vérifier ça. ETC FS Tab. Ouais, c'est ça, je suis encore en EXT4. Je suis toujours en EXT4. Alors, je pourrais essayer de convertir le volume en XFS. Enfin, les volumes en XFS. Mais j'ai envie de dire à ce compte-là, autant réinstaller. J'avais déjà fait des essais, j'avais vu un truc qui permettait de faire de la conversion de EXT4 ou d'un autre file system vers XFS. Et en fait, je crois qu'il fallait impérativement être en LVM et avoir à peu près la moitié de l'espace dispo de libre. Parce qu'en gros, ce que faisait le système, l'outil, c'est qu'il venait réduire le disque LVM existant de moitié, créer un autre volume en XFS, faisait la copie des données. Une fois que la copie des données était terminée, il dégageait le volume logique XT4 et il réagrandissait le volume logique XFS. Assez costaud quand même le truc. Bien, donc là a priori je pense que j'ai toutes mes commandes. Donc c'est parti. Par acquis de conscience, bon le init j'en ai pas besoin mais on sait jamais. Le validate. J'ai rien changé à ce niveau là. Ouais. Terraform plan. Hop. Et on va appliquer. Et normalement, il va me faire tout un tas de jolies machines virtuelles toutes identiques. Et j'aurais pu qu'aller rebooter une dernière fois en fait. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'avec Cloud Init, je peux lancer dans les commandes un reboot et est-ce qu'il considère que Cloud Init est terminé? Je sais pas. Je pourrais tester. Je sais pas si ça vous intéresserait. À la base, on est quand même là pour faire du Kubernetes.
J'aurais déjà passé plus d'une demi-heure sur du Terraform. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, j'en ai profité pour jeter un œil ailleurs sur un terminal qui est pas affiché à l'écran, mais en fait, j'ai déjà mon proxy jump. Tout à l'heure, quand j'ai fait un SSH-J avec l'IP, j'aurais pu. Hop, voilà, j'ai mes 5 machines virtuelles. Alors, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va se mettre là. Ok, donc je suis connecté. Perso, tu es team IaaS via Terraform et configuration par Ansible. C'est très bien, dans ce cas-là, tu devrais passer les jeudis de 20h à 22h, dans ce cas-là, MyDoomFR. Pop, 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 pop. Alors pourquoi? Bah parce qu'en fait je stream justement je stream alors dans ce cas-là c'est je stream de l'infrastructure as code avec justement Terraform et configuration par Ansible et je fais ça justement sur pareil la machine physique là dont j'ai légèrement enlevé un peu de fréquence pour pas qu'elle ait trop chaud et en gros j'essaye de mettre en place une sorte de labo réseau virtuel. Donc si ça t'intéresse, rendez-vous les jeudis de 20h à 22h. Packer, Terragrunt, Ansible, 4S. Eh ben les gars, vous êtes au taquet, hein? Ah, rassurez-moi les mecs, vous savez, et les nanas aussi d'ailleurs, hein, il y en a pour tout le monde. Vous savez toujours comment démarre un système Linux, hein, vous savez toujours où se trouve le noyau, comment configurer le chargeur de démarrage. Hein. Vous savez toujours faire ça, hein. Rassurez-moi. Parce que si vous savez pas faire, je vous envoie chez Emile. Hein. Linux, c'est quoi? Ah oui. Système c'était. Ah, en rancune, je ne te crois pas. Ah bah. Ah, MyDoom a connu StarTX. Moi je sais, mon ordi a une autre pignole. Pas mal. Pas mal, Ivo. Pas mal. Perso, dans les framboises pi, il n'y a pas de noyau. C'est vrai que techniquement, les framboises n'ont pas de noyau. Effectivement. Oh, ça me rappelle. Alors, je sais que je suis pas forcément toujours fan de l'anti-Microsoftisme primaire qu'on peut avoir. Mais il y avait une blague qui disait Linux a un noyau, Windows a un pépin. Alors, celui-là. Yona is now ready. Ça c'est cool. Alors, on va rester connecté dessus. Sudo reboot. Hop. Ensuite, le node 1. Permission denied what? Pourquoi permission denied? Pourquoi t'es pas d'accord? On va essayer le node 2 pendant ce temps. Oui, Maïdoum à faire, il en faut pour tous les goûts. Ok, donc lui par contre. Qu'est-ce qui. Bon, pourtant il dit. Il y a eu un fêlure. Il y a eu un fêlure. Ah. Pop, 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 pom. Et ben on va regarder ce qui s'est passé. Var log cloud init-output. Parce que je voudrais bien. Alors, curl error. Il n'a pas réussi à récupérer. Ah, il s'est mangé. Il s'est mangé quoi comme erreur? Ça, c'est sur le miroir. Ouais, ok. Ouais, non, si, c'est parce qu'en fait, il a eu du mal et puis ensuite, il a réussi à récupérer les infos. Mais il a installé tout ce qu'il faut, hein, on dirait.
Ok, il a installé Docker et toute la clique. Est-ce qu'il a fait le set proprement? Tiens, j'ai même pas vérifié si l'autre avait fait le set proprement. On va vérifier ça. Hop. Système des... Ouais, bon, ça. Ok, sudo cat proc cmdline. Hop. Ça, c'est bon. Lui, toujours pas. On va peut-être le trash et le recréer. Ah, Manon... Merci beaucoup pour le follow, Shenril. Merci à toi. C'est très gentil. Pop, 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 pom. Alors, note 2. Et bah, du coup, note 2 reboot. Ensuite, note 3. De l'air frais. Tu reveux de l'air frais Hop. Alors, de l'air frais. On va vous ramener ça alors. Hop, voilà, de l'air frais. Voilà. Je pense que ça va être le running gag de la soirée. C'est bon, t'es rafraîchi, The Bidouillard ? Je sens que ça va faire, ça va me faire rire tout le long du stream, ça. J'observe que tu as trois onglets. Non, c'est juste que j'ai cherché les gifs, c'est tout. Hein. Hop, voilà. Je pense que vous pouvez aller... le compte OnlyFans de Nil Jouy. J'aime beaucoup Rancune. J'aime beaucoup. Je serais fichu de créer un compte OnlyFans juste pour mettre ça. Mais vous pouvez faire de la pub pour moi en disant que je suis le premier stream rafraîchissant de Twitch francophone. Hop là. Alors. Il y en a 19 already. Allez. Il reboot. Et ensuite, node 4. Node 19 ready, hop. Donc il y a juste le node 1 qui, pour une raison que j'ignore, s'est viandé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et puis je vais dire node 1. Écoute, toi tu vas devoir. Chelou cette affaire. Allez. Node 1, au revoir. Yes. Hop, et je te détruis. Hop là. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. On va refaire un petit plan. Un petit apply. Et en toute logique, il devrait juste me refaire le node 1. Voilà. Qui changera d'IP, mais c'est pas grave. Alors, il est possible avec libvirt d'avoir... d'avoir d'avoir un sous-réseau avec, je crois, on peut insérer des noms DNS. Et hop, donc node 1, ce sera 180 finalement. Hop là. Et je me disais que ça pourrait être sympa. Non, permission denied, toujours. C'est quoi cette blague? Salut à toi, Fabou. J'espère que t'as passé un bon week-end. Pourquoi il en veut pas? Debug 1, no credentials were supplied. Non, il a vraiment pas envie, node 1. Je crois qu'en fait, il m'a pas encore créé le compte. Ou alors, pour une raison que j'ignore, Oh, attends, j'ai bien mis... Oh bah oui, moi ça se passe bien.
J'ai mis quoi? J'ai mis password hein, comme mot de passe, comme d'habitude. Donc en toute logique, ici, si je... Ah, juste par précaution, je vais passer sur la console série. Metadata cache created. Ah, voilà, c'est juste qu'il n'avait pas fini en fait. Complete. Là, il ajoute le repo. Donc là, maintenant, je dois pouvoir me connecter. C'est juste qu'en fait, j'étais impatient. Mais attends, j'étais directement sur Marvin aussi. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça aussi. Je crois qu'en fait, j'avais pas besoin de faire sauter le node 1. Hein. Hop, node 1. Je crois que je l'ai fait sauter pour rien. Hein. Hop, voilà. Allez, là. Ok. Hop, on va couper ça. On va revenir ici. Voilà. Alors. Je crois qu'il n'y avait pas de node. Jordan lui a nous disait. Pas mal, pas mal. C'est pas anode. Je vous adore. Franchement, je vous adore. Non, franchement, changez rien. Franchement, ces genres de jeux de mots, moi, ça fait partie des trucs. Moi, j'adore. On avait fait quelques essais sur le lab, hein, jeudi, avec des mots en lab, mais visiblement, c'est encore mieux quand ça vient de vous. Hein. Hop, node is ready. Et ben, reboot. Voilà. Ok, donc, en toute logique, si je reviens ici, non, ici, donc le node 4, hop, il est là. Le node 3, il est de retour. Je regarde quand même le proxy MD-Line. A priori, c'est bon. Donc, on a les prérequis, a priori, hein, ça se passe pas trop mal. Et ça a été... Presque rapide. Ça a été presque rapide. Je sais pas ce que vous en pensez. Je dirais qu'on a juste pris le temps d'automatiser, en fait. Merci beaucoup pour le follow, Thierry266. Merci à toi. Alors. 2, node 0. Voilà. Ok. Donc. On va revenir sur notre node de 0. Et on va commencer par essayer d'installer Rancher. Hop, alors ça. Tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas forcément filé le lien vers le repo GitHub de ManyNodes. Parce que oui, tout le code que j'essaye de produire pour mes streams est open source sous licence BSD. Donc profitez-en, c'est la maison qui offre. Hop là, alors. Et donc, pour installer Rancher sur notre node 0. Alors. Il suffit de lancer la commande. Hop. Qui va bien ici. Hop. Donc là, en gros, il vient juste me récupérer un ensemble de conteneurs. Qui va contenir Rancher en fait. Donc je balance un sudo Docker, vu que j'ai déjà installé Docker avec justement les commandes qui sont dans toute la partie Cloud Init. Donc comme ça, au moins, si jamais pour une raison ou une autre, je dois dégommer un node et le recréer, une fois qu'il aura fini d'être recréé, il n'y aura pas à relancer les commandes, j'aurai juste à le rebooter à la fin pour m'assurer que tout va bien. Je vais quand même relancer ici mon petit SSH vers Marvin, parce que je vais en avoir besoin. Alors pourquoi est-ce que je vais en avoir besoin? Je vais en avoir besoin pour d'ailleurs reconfigurer. Faudrait que je reconfigure. Ah non, à moins que je n'ai pas besoin de le reconfigurer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Downloaded numéro 1. Ok, donc il a.
Il faudra peut-être que je relance la commande SSH vers Marvin. Bon, c'est pas grave, on va tester. Hop là. Bien, bien, bien. Donc, a priori, ça s'est lancé. Donc, à partir de ce moment-là, au niveau de ma petite documentation, il me dit que bah, il va falloir aller sur l'interface de ma machine. Sauf que ma machine, donc, elle est en NAT derrière le serveur de HomeLab. Lequel n'est pas sur ma machine locale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite copie ici, on va revenir ici, hop. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter en faisant un -L8443.443. Je crois que c'est comme ça. Hein. Deux points, hop. Ok, et si je reprends mon super Firefox qui vous apporte de la fraîcheur, et que je fais un https://127.0.0.1, risque probable de sécurité. Ok, nickel, je sais encore faire des tunnels SSH. S'il y a des gens qui veulent que j'explique là le tunnel SSH, vous me dites. Je peux passer 5 minutes dessus. Hein. Alors. On dirait que c'est la première fois que... Oui, c'est à nouveau la première fois que je viens sur le site, sur la page de Rancher. Ouais, c'est à nouveau la première fois. Monsieur preset, tu un bootstrap password. Enter. Ouais, bah non, on l'a pas fait. Sinon... Il y en a un qui a été généré. Ok. Donc, il faut que j'ai le conteneur. Hop. Alors, on va revenir ici. Enfin, exactement. Alors, hop, juste par précaution. Hop. Ensuite, ici. Non, c'est pas ici. Ici. Salut à toi, Parados 3. Alors, petit Docker PS. Hop, on va tout faire ça proprement. Voilà. Là, j'ai le conteneur ID. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit dans la page de Rancher? Il dit, ensuite, on fait un docker logs avec l'ID du conteneur, grep, bootstrap, bootstrap, password. Ok, c'est copié. Hop. Alors, il va falloir faire peut-être... Alors, peut-être éviter de faire le sudo, normalement, il gère. Et on le met ici. Alors, pourquoi est-ce que je me connecte pas... Alors, ah oui, alors, The Tourist. Quand tu prépares de l'automatisation pour de l'infra, c'est souvent la première fois que tu te connectes à ce qui est dessus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tiens, j'ai rien. Hop, si, ça y est, j'ai un truc. Alors, Parados qui dit « Pourquoi tu te connectes pas directement en HTTPS sur le serveur ?» Alors, je pense que je vais sortir un petit schéma parce que sinon je vais avoir du mal à vous l'expliquer proprement. Alors, on va aller ouvrir un petit draw.io. Je vais finir par... Non, je suis pas dans le bon répertoire. Hop, t'es où, home, hop. Alors. Je te donne un petit instant paradoxe. Je te fais l'explication en image. Pendant ce temps, si les gens veulent noter le mot de passe pour pirater mon rancher, hein, allez-y. Hop là. Alors. Et tu voudras... Alors, le logic, je m'occupe de ça après Parados. Alors, donc là, j'ai plein de trucs. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais surtout copier ça. Hop. Et je vais le mettre dans un nouveau. Voilà. Donc, ça, on va dire que c'est hop, Marvin, le HomeLab. Ici, on est en 10.42.42.0/... Ah bah oui, non. 10.42. je crois que c'est .1. Hop. Et là, on est en 10.42.42.0/24. Et ensuite, toi,
tu viens là. Hop. Non, du coup, ce sera ici. Hop. Et toi, on va t'appeler node 0. Voilà. Et ça, en fait, c'est mon PC de stream. Hop. Voilà. Donc, en gros, l'idée... Alors, je vais grossir un petit peu le schéma, quand même. C'est qu'en gros... voire même, ce que je peux faire, c'est faire... Hop. Ça, ici. Ça, là, ce sera peut-être encore plus compréhensible. Voilà. Ici, c'est mon réseau local qui doit être en 192.168.6.0. Slash 24. Hop. Ça, ça va aller à l'arrière. Hop, voilà. Et donc, lui... Hop. Alors, Marvin, ce n'est pas un routeur. C'est... hop. Parce qu'en réalité, ma box internet, hop, elle va être plutôt là. Mais ma box internet, elle sera reliée à ce réseau-là. Hop, voilà. Donc en gros, mon PC de stream, ma box et Marvin sont reliés au même sous-réseau. Jusque-là, tout va bien. Sauf que tous mes nodes virtuels, hop, on va faire node point point ici. Voilà. Et on va écrire ici node n. Hop. Node n. Hop. Donc en gros, tous mes nodes, en fait, eux, ils sont natés derrière Marvin. Ils sont natés derrière Marvin. Qui fait qui est l'hyperviseur, puisque toutes les VM sont des VM sur Marvin. Si jamais je me remets sur Marvin ici, puis je fais un sudo virsh list, hop, on peut voir que j'ai node 0, 3, 2, 4, 1. Voilà. Et donc, si je vous montre d'ailleurs et que je fais un sudo virsh net-list, on peut voir que j'ai un réseau qui s'appelle ManyNodes. Et en fait, c'est ce réseau-là. Si je reviens sur draw.io, ici, ce que je peux faire, c'est écrire... alors, c'est faire éventuellement... hop, comme ça. Tiret. ManyNodes. Ah, il faudra que je le rebouge. Hop. Voilà. Donc, en gros, Marvin fait du NAT. C'est entre guillemets la box internet de mes différents nodes. Et du coup, mes nodes ne sont pas accessibles directement depuis mon réseau local. Et donc, pour cela, quand je veux me connecter directement sur mes nodes, en fait, je passe via Marvin. Donc, ce que j'ai fait, et donc le logit que tu vas pouvoir aussi comprendre, c'est qu'en gros, j'ai fait dans ma connexion SSH, parce que ça, donc, c'est une connexion SSH, qui donc passe d'abord par Marvin, pour ensuite aller sur le node 0. Enfin, quand j'ai une connexion SSH, alors, quand j'ai une connexion SSH comme ça qui passe pour aller vers le node, et ensuite, j'ai une autre connexion SSH. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger ça. Hop. Comment on va le mettre, lui? Est-ce que je peux pas... Hop. Ramener ça. On va augmenter. Voilà. On va le mettre en bleu. Voilà. Donc ça, c'est pour me connecter directement au node 0. Même pas du tout à Shenril, vu que Marvin, il est directement connecté au 1042. En fait, cette connexion-là, elle se fait via ce qu'on appelle du jump, hein, du proxy jump, au niveau de SSH. C'est-à-dire que je dis à mon client SSH qui est sur mon PC de stream, quand tu veux te connecter à une IP en 1042, 42 quelque chose, tu dois faire proxy jump par Marvin. Comme ça, mon PC de stream, il n'a pas besoin de route.
pas du tout. Alors ce que je vais faire, c'est... est-ce que j'aurais pas... Parce que je veux pas vous montrer... je veux pas vous montrer ma conf SSH entière. Donc ce que je vais faire, hop, c'est juste là, coller... hop, on va se mettre... je vais me mettre ailleurs. On va faire ça ici. On va se mettre dans TMP. Je me demande si je l'avais pas fait dans TMP d'ailleurs la dernière fois. Non plus. Hop là. Voilà. Donc là, en gros, ça c'est un extrait de ma conf SSH qui dit pour toutes les machines en 10, 42, 42 quelque chose. Donc bon, port 22, protocole 2, user nils, identity file, jusque-là, je pense que c'est à peu près facile à comprendre. C'est qu'en gros, il balance directement ce qu'il faut en termes d'authentification. Et je lui dis proxy jump, Marvin. Donc j'ai du coup, alors soit je sais plus exactement, mais je pense que j'ai dû lui mettre un... J'ai dû mettre une conf pour Marvin parce que je crois que j'ai plus de DNS sur mon réseau local. Non, je crois que j'ai laissé en... Hop. Bref, toujours est-il que le petit truc comme ça, proxy jump, c'est assez pratique. Et si je vous montre un petit man SSH, eh ben, on peut faire pareil avec l'argument moins grand J. Donc moi je le mets dans le la conf comme ça, ça m'évite de taper 10.42.42.180 -j Marvin. Comme ça au moins ça fait ça de moins à taper. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc Marvin, on va remettre sur le schéma, hop, Marvin lui, il a accès direct au node. Donc ça veut dire que Marvin, lui, il peut faire une connexion vers le port 443 de node 0. Il peut. Mais moi, avec mon PC de stream, je peux me connecter en SSH chez Marvin. Et ce que je peux faire, je vais revenir du coup sur le... Alors, est-ce que j'ai la... Hop. Voilà, j'ai la commande qui est là. Et en fait, si je décortique un peu cette commande-là, ce que j'ai dit à mon client SSH en utilisant l'option moins grand L, c'est de dire tu fais correspondre mon port local, donc le port sur la machine qui exécute le client SSH, donc ma machine de stream. Ici, tu lui dis, sur ce port 8443, tout le trafic qui va aller et venir de ce port 8443, ça va aller vers 10.42.42.13. Sur le port 443 en me connectant sur Marvin. En gros, ce que va faire Marvin, c'est qu'il va balancer sur ma machine de stream, sur le port 8443, tout ce qu'il voit passer en direction de... enfin, entre guillemets, comme ça. Donc en gros, si je prends cette autre flèche, hop, et ici je mets un autre texte, ici, qui va être... Ah, alors du coup, on va aller, hop... On va faire un autre texte ici. Donc ici, je mets port 8443. Hop, toi, tu viens là. Ici. Et tu vas venir. Hop. Hop. Le texte qui est là, il va aller ici. Et on va mettre port 443. Et hop. Et on va le mettre de cette couleur-là. Et on va augmenter un peu l'épaisseur. Voilà. Alors, Shenril, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que si je me retrouve avec un serveur web par node, je peux monter... il va falloir que je monte des tunnels. Et un tunnel par machine. Par contre, ce qui peut être assez cool... c'est de, dans une même connexion SSH, lancer plusieurs tunnels. Ce qui est possible. Ce qui est complètement possible. Ce que je pourrais même faire,
Ce que je pourrais même faire, et c'est d'ailleurs ce que je fais dans mes streams du jeudi soir pour le Home Lab. Ceci n'est pas une pub éhontée pour mes streams du jeudi soir de 20h à 22h. C'est de, au lieu de paramétrer une destination précise, c'est de dire je me sers de Marvin comme proxy SOX. Donc je crée une connexion SSH et je me configure un port local pour dire à ce moment-là, je peux configurer mon navigateur pour lui dire tout ton trafic va passer dans le proxy SOX. Et en fait, le proxy SOX, bah, c'est Marvin. Et à ce moment-là, je peux atteindre toutes les machines qui sont dans le subnet. Du coup, il y a trois machines dans le tunnel. PC Stream, 10, 42, 42, 43, plus Marvin. On peut peut-être dire ça comme ça. Disons que tu vas avoir Marvin qui fait transiter des paquets entre mon PC de stream et le node 0 sans être un routeur. Il le fait en l'encapsulant dans du trafic SSH, en fait. Je sais pas si c'est plus clair comme ça. Alors, je sais pas si toutes celles et ceux qui sont sur le live ont forcément un anglais parfait, mais il y a un petit bouquin que je vous recommande si jamais vous avez envie de comprendre un peu justement tous les tunnels SSH, ce genre de choses là. C'est sur ce dépôt là qui s'appelle The Cyber Plumbers Handbook. Et en fait, ce bouquin est juste fantastique. Alors non, Shenril, je n'ai pas joué avec Téléport. SSH me convient très bien jusque-là. Peut-être que Téléport sait faire d'autres choses intéressantes. Je n'ai pas encore essayé. Je m'en suis toujours sorti avec OpenSSH. J'ai envie de dire, partout où il y a du SSH... Alors la commande SSH, non, je l'exécute sur mon poste de stream. C'est en fait... J'ouvre des tunnels en me connectant en SSH sur Marvin. C'est ça qui est fantastique. Je vais vous poster le lien de ce truc-là et je vais d'ailleurs le mettre aussi dans le chat Discord de la chaîne. Hop là, le chat Discord de la chaîne, lien du live, hop. Et le chat ici. Je sens que je vais prévoir durant l'été un stream spécial tunnel SSH. Je pense qu'il y a moyen qu'on se marre. Mais franchement, si vous arrivez à comprendre l'anglais, je vous recommande la lecture de ce truc. Et voire même d'essayer. Essayez de mettre en place les machines virtuelles comme il le précise. Que ce soit via KVM, via VirtualBox, via VMware, via Hyper-V, peu importe. Essayez et essayez de faire les exercices. Enfin, moi, j'ai pas forcément fait les exercices, mais j'ai essayé de m'adapter par rapport à ce que j'avais comme truc à dispo. Mais au moins le lire, c'est franchement fantastique. Et le truc est capable de faire des... voilà, il utilise quasiment les 4 jump box à un moment. Pardon. À un moment, il utilise les 4 jump box. Hop. C'est assez fantastique. Hop là. Et donc, en gros, depuis sa machine Kali, là, il se connecte genre aux 4 jump box avant d'aller sur la target 1 ou la target 2. Je crois que je vais aller me chercher de l'eau vite fait. Je crois que je suis à sec au niveau de la gorge. Je vous demande un petit instant, je reviens très vite.
Et me voici de retour avec le plein d'eau. Alors, on a The Tourist qui nous dit « Bouh, dans le manuel de plomberie, il n'y a pas la feinte. PPP over SSH. » Oh. Hey, merci pour le follow, Trégériade22. Merci à toi. Et on a un Anonymous Cheerer. Tiens, les cheers fonctionnent. Les cheers fonctionnent. Merci beaucoup, Anonymous Cheerer, pour les 20 bits. C'est fantastique. Merci beaucoup à toi. Ah, ça me fait plaisir de revoir des cheers. Tiens. La rumeur raconte que quand un train de la hype vient par ici, il y a aussi un train dans le terminal. L'Anonymous est revenu, mais qui est-il? Je sais pas, il se cache peut-être derrière un masque de Guy Fawkes. Est-ce que côté tunneling et tout ça, tout le monde est à peu près opérationnel, hein, ou est-ce que je passe encore un petit peu de temps dessus? Hop là. Mais ça pourrait être une idée, effectivement, que je dédie un stream au tunnel SSH. On pourrait d'ailleurs reprendre carrément le... Alors, je sais pas trop si j'aurais le droit de reprendre... Enfin, techniquement, le Cyber Plumber Handbook, il est gratuit. Si je mets en place, une plateforme à moi, je sais pas si le truc... Hop là. C'est quoi la licence du Binyu? Why purchase? Bon, ben... Hop. C'est quoi la licence? Le truc, il est... Alors, Creative Commons, attribution non commerciale. Donc, en fait, non, je pourrais pas, genre... Ah, faut voir. Parce que quand ils disent non commercial, a priori, est-ce que je fais les streams... Est-ce que les streams sont un truc non... Une utilisation commerciale du bouquin, potentiellement. Bref. Alors, à Haribo, j'étais en train de me demander si ça pourrait être intéressant d'utiliser le Cyber Plumber Handbook comme base pour proposer un stream sur les tunnels SSH. En gros, de monter une plateforme comme dans le bouquin et de la faire en live devant vous, en fait. Et de vous montrer ce que ça donne, en vrai. Mais pas tout de suite, hein, ce serait une idée plus tard. Si c'est déroulé des exemples du bouquin, ce n'est pas restreint par la licence. Techniquement, c'est pas commercial, on n'est pas du tout obligé de se baisser. Oui, effectivement. Effectivement. Mais c'est bon, c'est une idée. Si jamais il y a de la demande, ça peut être chouette à faire. Bon, revenons à notre rancher. C'est si tu voulais republier... Ah oui, republier le bouquin modifié ou pas, que la licence... Ok. Hop là. Après, sur le principe, j'aurais tendance à vouloir contacter l'auteur en lui demandant si ça le gêne. Donc, on a le bootstrap password de notre rancher. Hop, reviens par là, le password, login, voilà, et il nous demande de mettre un nouveau mot de passe. Alors, les habitués savent que je vais mettre password, les nouveaux, je sais que c'est un mot de passe bidon, le truc n'est pas ouvert sur internet, et ici, hop, on va lui dire que c'est toujours 10.42.42, c'était quoi, note 0 ? Pas de soucis, The Tourist, le live est de toute façon enregistré, tu pourras le voir en VOD pendant 2 semaines. Et Arubo qui dit « Excellente idée de contacter l'auteur ». Bah oui, quand même, je pense que c'est être quelqu'un de bien que de faire ça. 42.13, hop là, allez. 443. Hop, on va le mettre comme ça. Et merci pour le follow, The Tourist. Merci beaucoup. À bientôt.
Non, les hop et les termes et conditions, oui. Alors, je vais peut-être remonter le biniou. Hop. Continuer. Password must be. Ah! Eh ben, password 1, 2, 3, 4. Voilà. Password 1, 2, 3, 4. Hey, le sub, ça marche! Merci Rancune! Ah, oh, ça c'est chouette, merci Rancune! Faut que je vérifie si je suis sub à ta chaîne, parce que si c'est pas le cas, c'est un peu la honte. Avancer, hop, accepter le risque. Oh, merci beaucoup pour le sub en tout cas, ça fait très 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 plaisir. Fallait le tester, ouais! Ouais, faudrait que je vérifie exactement. Je me demande si c'est pas à cause du. Je pense que c'est encore un. Comment dire? Je sais pas si t'étais là, Rancune, quand je me suis fait flouder de follow par des bots. Genre, en un quart d'heure, j'ai gagné 500 follow. Sauf que je les ai perdus 4 jours plus tard. Hein. Non, mais voilà, c'est ça. Je pense qu'il faudrait que je revérifie dans les paramètres si ça se trouve, les follow envoient pas de notif. Streamlabs, t'as lâché jeudi. Ah, toi aussi. Toi aussi. Ouais, bah en même temps, c'est un service, on le paye pas. À un moment, s'ils ont pas de thunes pour popper des VM chez leur provider de cloud. Voilà. Faudrait soit que. J'ai envie de dire, c'est soit on les paye, soit on se met en place un service local. Je crois que c'est. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Yorzian qui veut justement se passer un maximum de Streamlabs. Mais ceci étant, ça pourrait être une idée que. Parce que j'avais voulu essayer de faire un bot pour Twitch. Je me demande si ça pourrait pas être une idée, vu que de toute façon Twitch c'est de l'IRC, le chat. S'il y aurait pas moyen, peut-être en récupérant le code source de Pimpin. Alors pour celles et ceux qui se demandent c'est quoi Pimpin, Pimpin c'est un bot IRC provenant d'une communauté d'utilisateurs du logiciel libre qui s'appelle GCU Squad. Et donc, peut-être en essayant de se baser sur le code source de Pimpin, on pourrait se monter notre propre système d'affichage de chat. Rancune qui dit perso il rend un service, je vois pas de problème à m'y abonner, faut juste que je vois le prix. Bah oui, après ça va dépendre effectivement de s'il te demande quelques dollars ou un rein tous les mois. Bon, toujours est-il qu'on a réussi à se connecter à Rancher. Jusque-là, tout va bien. Et la semaine dernière, on avait réussi aussi. Maintenant, on va créer un cluster Kubernetes. Enfin, on va essayer. Donc, si je reviens ici et que je lui dis cluster management, je vais peut-être pouvoir rezoomer alors. Hop, voilà, comme ça vous le verrez bien. Vous me dites hein, si c'est trop petit ou si c'est trop gros, moi je m'adapte. Donc, ensuite, dans cluster management, on va cliquer sur le bouton create qui est ici. Hop là. Dans le bouton create, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir un truc RKE2 RK3S. Voilà, 4S, pardon. Et on va descendre et on fait custom. Et dans le custom, il faut indiquer le nom de notre cluster. Et bon, on va l'appeler AHP Cube. Voilà. AHP pour Another Home Page. Cube, bah. Je crois que c'est du Kubernetes. La version à utiliser. Donc, a priori, on va garder la dernière. Cloud Provider None. On va rester en Calico pour le Container Network. On reste sur ça par défaut. Et CoreDNS, Nginx, Ingress, Metrics, Server. Ok, ça c'est bon. Donc on peut alors cliquer sur Create. Et a priori, je ne mets pas de cluster description. Hop, tout va bien. Donc là, en gros, si je comprends bien, ce qu'a fait Rancher, c'est juste créer, j'ai envie de dire, créer de son côté tout un tas de configurations pour pouvoir déployer notre cluster. On croise les doigts pour que ça marche cette fois. Ouais. Croisez les doigts pour moi. Croisons les doigts. Une fois que le cluster est créé dans Rancher. Donc, il faut créer un des serveurs comme pilote du cluster et les trois derniers comme nœud. Donc, le premier, le pilote, en fait, c'est le master.
Donc, a priori, ce qu'il faut faire, c'est dur juste dire etcd control plane et ne pas faire worker. On pourrait, mais on ne le fait pas. On va cliquer sur le insecure parce que bah forcément, on fait tout avec de la clé auto-signée. Et donc, a priori, j'ai juste à copier tout ça. Et je vais aller sur node 1. Vous savez, le node sur lequel j'étais pas fichu de me connecter tout à l'heure. Et donc, si il a un sudo dedans, il a un sudo. Donc, a priori, je colle tout ça. Voilà. Je colle tout ça et j'envoie la sauce. Et normalement, si je reviens ici, hop, et que je reviens là. Normalement, au bout d'un moment, dans l'onglet machine, hop, on va l'ouvrir dans un autre onglet d'ailleurs, si moyen. Non, il n'y a pas moyen? Bon, il n'y a pas moyen. Donc là, il est en train de me dire qu'il y a une machine qui est en train d'essayer de se réconcilier. Ok, c'est cool. Waiting for probes, Calico etcd, cube API server, machin, machin. Ok. Si je reviens sur l'enregistration. Hop là, il a bien fait un 10 42 42 13 en HTTPS. Ok. Ok. Donc ça, a priori, c'est la config, si je comprends bien. Hop là, je me suis trompé. Hop. Pourquoi Cluster management. Donc le local, il est actif. Updating. Ok. HP cube. Je peux pas l'explorer comme ça. Hop. Creating. Ah, ça. Hey, ça change. Ça change. Il y a des trucs qui changent. C'est plutôt bon signe. Je commence à. Alors, je voudrais pas crier victoire trop tôt, mais on a le droit d'être optimiste. Et là, par contre, waiting for probes Calico. Effectivement, il patiente un peu à ça. Je sais pas exactement ce qu'il a. Cluster agent is not connected. Je sais plus si on était tombé sur le même message d'erreur la dernière fois. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de popper un nœud aussi. Parce que bon, c'est pas tout, mais. Alors je sais que Azram, qui m'a du coup fait entre guillemets, la procédure pour installer tout ça, lui ça mettait quelques instants quand même à popper. Et il était sur des EC2 AWS qui étaient quand même des machines assez puissantes. Pour rappel, moi, mon Home Lab, pour le moment, c'est une machine avec un CPU qui a une dizaine d'années. Donc, bon. Qu'il soit pas ultra rapide, sachant qu'en plus, j'abaisse sa fréquence pour pas qu'il ait trop chaud. Voilà. Donc là, le worker, pouf, insecure. On clique to copy. Là, c'est node 1. Hop, node 2. Et on envoie. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà, j'ai le deuxième qui est en worker. Bon, du coup, on va patienter un peu. Mais a priori, le probe Calico, il a l'air de pas être emballé.
Hey! Ah non, il est encore waiting for. Ok. Condition. Il y a toujours un truc là, hein, qui est en condition ready et false. Disconnected, cluster agent is not connected. Alors. On va regarder un peu les logs, hein. Merci, merci The Bidouilleur, c'est très gentil. Je te souhaite une bonne fin de journée. Puis si jamais tu veux voir la fin du stream, bah, elle sera dispo en VOD. J'espère aussi, j'espère aussi. Alors. Error while appending CAssert to pull for probe cube-scheduler. Alors juste pour le principe, journal CTL, moins FU je crois. Hop. Je me demande si on n'avait pas eu le même message d'erreur. Salut à toi, Fido de Tours. Bienvenue sur le live. J'espère que tu as passé un bon week-end. Ce que je suis en train de me dire. C'est qu'il doit y avoir encore un. Il doit y avoir encore un truc qui fait qu'il n'arrive pas à écrire là-dedans. Parce qu'il dit que ça, il n'arrive pas à le. PVM. Ouais, non, mais le truc existe, hein. Ouais, chaud le week-end, et d'après ce que j'ai compris, il va faire encore plus chaud dans les jours à venir, hein. Si jamais etc ou alors attends slash lib slash systemd système. En gros là ce que j'essaye de me dire c'est est-ce que dans les unités systemd, dans les services systemd, non. Grep rancher. Non, il est pas dans slash lib, donc il doit être dans slash etc. Est-ce qu'on a un rancher là-dedans? J'ai pas l'impression. Alors oui, j'ai SE Linux actif. Sauf qu'en théorie, ça ne pose pas de problème. Maintenant, je peux le mettre en permissif. Je peux le mettre en permissif. Ah bah tiens, il est là le système agent. Voilà, il est là. Donc il est bien dans le TC. Ton service n'est pas en 7.5.5 bizarrement. Est-ce que ça pose problème? Pas de soucis, Manon. Bonne soirée à toi aussi. Alors, ce que je voulais voir dans le Rancher System Agent, c'est. Donc il a des fichiers d'environnement, ok. Je vois qu'il y a un truc Sentinel qui marche. Si vous posez la question de l'heure, c'est que les machines sont en UTC. Donc il y a 2 heures de décalage avec. Je vais rebooter la box, on sait jamais sur un malentendu. Juste au cas où, etc. SE Linux, non.
ici en permissif. Même si je reste perplexe. Ouais, mais je préfère écrire permissive parce que set en force 0, je sais jamais si c'est si c'est permissif ou si c'est disabled. Hop là. Comme ça au moins pour moi c'est en fait j'arrive mieux à voir les choses. 0 c'est disabled. Ok, bon bah voilà. Alors, le truc est, c'est fini avec une erreur. Ouais. Alors avec quoi comme erreur? Ah oui, node 1, ça c'est node 1. Attends, j'ai rebooté node 1. Non, j'ai rebooté node 0. Non, si, j'ai rebooté. Ah, j'ai rebooté node 1. Oh, punaise. C'est node 0 que je voulais rebooter. Bah non, c'est bien node 1 que je voulais rebooter. Je sais plus où j'en suis. Ah là là. Alors, nils at node 0. Si je fais un... Ah oui. Donc, ici, node 1. Uptime, 1 minute. Donc, c'est bien node 1 que j'ai rebooté. Ok, et donc si je vais sur l'autre machine, là c'est node 2 qui est le worker. Ok, donc je reviens ici, et lui il est toujours en reconciling. Ok, waiting for cluster agent to connect. Ok, qu'est-ce que ça raconte dans le chat? Kubernetes peut-il être comparé à Chocolatey ou bien alors je connais pas du tout Chocolatey, donc je... Et Parados qui rajoute que c'est un gestionnaire... D'accord, c'est un gestionnaire de paquets chelou. Et Kubernetes, c'est un ouais, c'est ça, Kubernetes, c'est un orchestrateur de contenu, pour la faire simple. Ok, soit. Je reste toujours un peu perplexe. Alors, si je vais chercher sur le grand internet convivial, si je dis rancher cluster k3s waiting for cluster agent to connect. Local cluster stuck on. Voilà. Alors, c'est quoi leur souci? Ça date de 2018. Alors. The logging of the cattle cluster agent pod should reveal why it cannot connect. Ouais. Alors. Là, de toute façon, j'ai rien. Et si je vais ici. Cattle cluster agent. Ah, mais comment je regarde quel pod est installé, moi? Est-ce que Rancher est capable de me dire quelque chose à ce niveau-là? Pod security policies, je suis pas sûr que ce soit ça. Poup, 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 poum. Si je tape Rancher Système Agent, hop.
Ok. Sauf que c'est pas ça qui nous intéresse. C'est, il nous dit, je peux coller le message d'erreur sur Google. Bah justement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, Parados, tu vois. Hop. Waiting for cluster agent to connect. Il n'y a pas de souci. Je comprends que des fois il y a un peu de lag entre la vidéo et quand vous répondez dans le chat. K3S, kubectl, getNode. Ah bah oui. Hop. Ah oui, il l'a pas ici. Il l'a pas là non plus. Si je fais kube, c'est juste. Est-ce que kubectl est installé? Même pas. Ah et même pas le truc Rancher, il met juste les. Alors, est-ce que, si j'ai pas. Est-ce que j'ai un cas quelque chose? J'ai rien d'intéressant à ce niveau-là. Ça, tu m'embêtes. Hop. Kubectl moins n cattle. Ok, donc a priori, je devrais pouvoir lancer kubectl. Node 0, allez. Kubectl commande node farm. Alors, c'est comique ça! Comment je peux. Ah, ou alors il faudrait que j'aille m'installer kubectl quelque part. Et que je récupère la conf. Alors là, a priori, c'est une question d'un mec qui a eu un bug, hein. Alors. Merci pour le follow, Floret. Merci beaucoup à toi. C'est très gentil. Ok, ça c'est autre chose. Bon. Ah ben moi aussi j'essaie de comprendre cette magie noire et pour le moment ça n'a pas l'air très très fonctionnel. Ok. Ah oui alors attends, deux. Non c'est plutôt sur. Ouais c'est sur node 1. C'est node 1 que j'ai mis en. J'ai rajouté ça. Ok. Et ouais, en control plane, etcd. Run K3S containerd. Oh la quantité de choses qui me lance. Alors, il y aurait une console kubectl directement dans le dashboard Rancher. Hop. Alors, my cluster. Ah, mais du coup, lui, il est pas dispo, en fait. Il est pas dispo et du coup, je peux pas aller là-dedans non plus.
Merci pour le follow, public class user. Merci à toi. Pop, 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 pom. Alors, oui, alors le truc, il nous envoie des logs. Il envoie plein de logs. Ouais, ok. Alors. Ah, ce serait des problèmes de certificat? Non. Ah, voilà. Ah ouais, comment, carrément, le mec, il efface et il recrée. Et il réinstalle la... Ouais. Pas convaincu, enfin, vu que c'est la première installation, je suis pas convaincu. Ah, ça c'est de cette année. Donc qui dit quoi? Il dit que c'est une erreur. Oui, bah oui, il va le fermer parce que oui, c'est en train de devenir une catch-all. Ok. Une spécifique 264. Alors attends. Ah, je suis en 2-6-6. Paradox, tu veux essayer de faire ça sur une VM? Ouais, bon courage. Note que il m'a fallu quand même pas mal de ressources. Il me faut 4 vCPU et 8 Go de RAM, je crois. Par VM. Comment est-ce que je peux accéder à ces conteneurs? Parce que je trouve ça assez affolant que Docker, par exemple, il liste rien, donc Docker est pas lancé. Ouais. Bon. Soit. Ouais, alors à part me lancer... Ouais. Alors à la limite, ce que je peux peut-être faire, c'est revenir sur le node 1. Faire un sudo moins i. Et là, on avait dans le journal CTL, i chouinet. Ah tiens, je l'ai plus. Oh, c'est bizarre ça, j'ai plus le truc. Running commande. Alors, bon, a priori, j'utilise comme il faut. Ça, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Là, je vous avoue que je sais pas trop où regarder.
Ça, c'est globalement les logs. Hein. RKE2. Alors. Rancher System Agent, no image provided, creating an empty directory, ouais, ok. Je dois avouer que je n'ai pas la moindre idée de où retrouver. Ah bon, il y a des AVC denied. Ah, tiens. Ok. Ah, est-ce que. Ouais, bon, bah, de toute façon, je suis en permissif maintenant, mais. Est-ce que ça serait la raison pour laquelle. À la limite, ouais, je peux peut-être trasher, trasher le node 0, le node 1 et le node 2. Ouais, je vais trasher les deux nodes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter. Je vais rajouter dans le Terraform TFVARS ce que je peux faire éventuellement. C'est faire alors. Donc normalement, il est en enforcing. Hop. Hop, on va faire ça. Hop là. Ici, on va dire sed moins moins i moins e. Hop. S arrobase. On a dit slinux égale enforcing. En permissif dans slash etc ce linux config si je me rappelle bien config hop et on rajoute un petit set en force permissive si c'est bien ce que j'avais lancé. Ici avec un P majuscule. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc je disais, je trash les nodes 1 et 2. Et ce que je vais peut-être faire avant, c'est au niveau de la conf de. Enfin, au niveau de Rancher ici, je vais lui dire bon, allez hop, tu sais quoi. Tu dégages. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai dit node 1 et 2. Hop. Voilà. Ensuite, on revient ici. On fait un petit terraform plan. Terraform apply le plan. C'est moi où j'ai trashé le node 3 au lieu du node 2. Non, node 2. Pourquoi il me dit node 3? Oh. Donc le node 1, je me suis déco. Ok, il m'a trashé le node 3. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Là, j'avoue que je suis en train de me demander ce que Terraform a fait, mais bon, soit. Alors, node 1, finalement, maintenant, tu es 4259. Et note 3, tu es finalement 45. Voilà. Et donc on va juste attendre un petit instant que le cloud init se termine. On reboot les machines pour bonne mesure. Je vais juste m'assurer que... Ah tiens, il a encore un enforcing. Oui, c'est... Il est encore en enforcing. Ah oui, c'est logique. Ah, normalement, là, il devrait être en... Là, il est en permissif. Voilà. Est-ce que je l'ai mis en permissif à quel moment déjà? Ah, je le mets au début quoi. Ok, donc de ce côté-là. Alors à moins que le problème soit carrément au niveau du rancher. Rien ne m'empêche de... Remarquez, rien ne m'empêche de détruire le cluster et d'en recréer un autre aussi. On peut faire ça. On va le recréer, mais avec la même conf, hein. Là, on est bon, a priori, tous les trucs sont par défaut. Allez. Remarque, c'est non ou c'est external le cloud provider? Je voudrais juste m'assurer que j'avais bien fait ce qu'il fallait. Ouais, c'est non, a priori. Créer. Donc là, en toute logique, provision logs, rien, snapshot, rien, condition. Je vais peut-être attendre un instant. Ah, not ready. Voilà. Alors, a priori, le truc il dit tout va bien, et puis il attend juste la réconciliation. Donc, à partir de maintenant, là je copie. Mon node 1, il est revenu. Donc je peux le balancer ça. Et du coup, maintenant... Là, a priori, j'ai un truc RKE2. Tiens, j'avais pas vu tout à l'heure. Donc,
Fail to test data store connection, context deadline exceeded. Ça, c'est intéressant. En matière KE2. Et a priori, le mec faisait ça sur une CentOS 7. Ça a pris 15 minutes. Oh là là. Alors attends, le mec... Le mec dit juste close this issue. C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Non mais franchement. Un rancher des reset admin. Mais pourquoi reset admin? Ça marche pas, Balek, ouais, un peu de ça. Alors, allons voir sur notre rancher comment les choses se passent. Ah, il est toujours en mode... Ouais, il est toujours en waiting for probes calico, comme avant. Alors du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un souci avec Calico? Parce qu'au moins il donne un truc à... Ah oui, dis donc il... Parados, t'as installé Rancher sur ton Windows? Ah bah félicitations. Bon, je pense que pour ce soir, ça va encore être un échec. Je suis en train de me demander si du coup le souci serait pas... il serait pas carrément au niveau du... comment dire, de rancher.
Il me dit quoi lui dans les logs? Tiens, je vais pas rendre chambre. Voilà, remarque, c'est dans c'est Docker, non? Ouais, c'est ça. Cluster not found, Rick Wing. C'est fou ça quand même. Bon, on va peut-être réfléchir à un plan B ou un plan C ou un plan D. Qu'on mettra en œuvre sans doute les prochaines fois. Merci beaucoup pour le follow, QPR101. Merci à toi. Alors, MyDoomFR, Kubernetes c'est compliqué, Rancher essaie d'abstraire cette complexité pour la rendre accessible, mais quand la solution magique ne marche pas, c'est horrible à débug. Bah, je vois ça. Je vois ça. Ça a l'air d'être d'être un cauchemar. Moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que déjà, je vais retrash à nouveau le cluster en entier, et voir s'il n'y avait pas un souci avec, avec effectivement SE Linux. Dans une foire aux questions, est-ce que chez Rancher ils auraient une clusterfuck? Je crois que je. T'as laissé tomber parce que c'était pas compatible avec les bastions SSH. Ah oui. Bah, pour être honnête, j'espérais que le truc soit d'abord en mode facile et que ce soit chouette pour me mettre un peu le pied à l'étrier. Et après, j'espérais faire un truc un peu plus comment dire, poussé comme Kubernetes The Hard Way. Mais là, honnêtement, je reste. Enfin, si j'arrive déjà pas à faire le truc qui est censé être facile, je dois avouer que je me vois mal passer sur les trucs un petit peu plus sportifs, quoi. Overview, ouais. Ouais, bon. Bon, bizarre. Bizarre. Tu conseilles plutôt l'install hardware à la cube ADM, c'est bien plus formateur et surtout avec mon bagage. Surtout simple, surtout avec mon bagage Network Linux. Ok, bah ça peut se tenter. Ça peut se tenter, on peut essayer de démarrer la prochaine fois un Kubernetes de hardware. Ça peut être une idée. L'autre idée que j'avais, sinon, pour essayer de persister sur Rancher et K3S, c'était au lieu d'utiliser Fedora, c'était de repoper sur de la Debian ou de la Ubuntu. Ce que je compte faire pour Kubernetes The Hardware. Hein, parce que je pense que ce sera plus. Enfin, j'ai l'impression que toutes les documentations sont faites de toute façon pour Debian ou Ubuntu. Donc peut-être que ce sera moins relou. Bien, bien, bien. Bon, et ben sur ces bonnes paroles, hop, on va se remettre comme ça. Bon, j'espère que malgré tout, vous avez passé un bon moment. Et, ah, zut. Mais c'est vrai qu'il se... Il se... Bon, j'ai encore ça à corriger quand même. J'ai encore le chat qui ne... qui se barre quand je change de scène. Oui, c'est vrai que comme les chatbox sont... J'ai pas configuré les mêmes, bref. J'espère que ça vous a plu, malgré tout. Parce que j'ai cru vous voir quand même un peu nombreux, donc ça fait super plaisir, je veux que vous le sachiez. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux à suivre.
Je pense que ouais, on va peut-être démarrer un Kubernetes The Hard Way pour les prochaines fois. Après, je crains de démarrer un truc que je risque de mettre en pause durant une période, un moment de vacances. Mais bon, c'est le jeu aussi, hein. Il faut de temps en temps, c'est pas mal de couper entre deux. Toujours est-il que vous pouvez me retrouver habituellement les jeudis et les dimanches. Donc le jeudi de 20h à 22h et le dimanche de 18h à 20h. Les streams des jeudis, eux, sont plutôt faits pour un autre sujet où je monte un lab, un labo réseau virtuel sur justement la même machine de Home Lab là, sur laquelle je monte les VM pour Rancher. Et les dimanches, donc, on est plus dédié sur les conteneurs. Et j'espère que Kubernetes The Hard Way sera un petit peu plus sympa. Parce que pour le moment, Rancher, c'est pas l'extase. Entre deux streams, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous faites un point d'exclamation socials dans le chat, vous aurez normalement une URL qui contient toutes les adresses de mes réseaux sociaux, notamment Twitter, Mastodon, Instagram, et aussi le chat Discord, le serveur Discord, donc vous avez d'ailleurs l'adresse ici, si jamais vous voulez qu'on discute entre deux streams. Sinon, vous pouvez toujours regarder les VOD sur Twitch pendant quelques semaines, et puis ensuite, si j'ai le temps, j'essaye de les mettre sur YouTube. J'en ai quelques-unes qui sont exportées, qui sont prêtes à uploader sur YouTube. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Je sais que je suis assez en retard sur le sujet. Voili voilou, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne du coup rendez-vous jeudi ou bien avant sur les réseaux sociaux. Ou dimanche prochain pour un autre stream sur un autre stream conteneur et Kubernetes. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et un bon début de semaine. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud. Pensez à vous hydrater. Bah, merci à toi d'être venu, Maïdoum.fr. J'espère te retrouver sur les prochains streams. Et puis, bah, à bientôt. Allez, ciao, ciao!